Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui tricot. Alors comme vous avez pu voir juste avant que je parle, je vous ai montré un petit peu ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là j'ai fait le contraire, je vous ai montré mon petit tricot du moment en train de tricoter et je vous parle après. Voilà. Donc le tricot que vous avez vu, c'est celui-ci. Voilà. Attendez, on va bien le mettre. Voilà, c'est celui-ci. Bon, il roule un peu sur les côtés, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est un pull que je suis en train de faire pour ma petite fille. Donc, il est fait en taille 12 ans. Donc c'est un pull qui va être très simple, hein. Les emmanchures sont, il n'y a pas d'augmentation, il y a juste ici 7 mailles de diminution, après c'est tout droit, bon, ça roule, c'est pour ça qu'on voit que c'est pas droit, mais c'est tout droit. Au niveau du col, ça va être tout droit également, il va y avoir une petite bande de côte, voilà, devant et derrière. Les manches, il va y avoir une petite bande de côte également en haut des manches. Voilà, rien de compliqué du tout à ce pull. C'est vraiment, si on n'est pas habitué à faire des diminutions, des augmentations, voilà, des raglans. La fifi, je planque mon pull. C'est vraiment le pull pour débutants. Donc ça c'est celui que je fais avec la laine pingouin. Alors si vous vous rappelez, c'était la laine que je ne devais pas recevoir et que j'ai reçue. Bon bah du coup je l'utilise, voilà. Alors ici on voit qu'il y a des petits raccords. Vous voyez ici, on voit un petit raccord ici. Mais bon, c'est tout à fait normal, hein. C'est parce que la laine, là, voilà, c'est comme ça, hein. C'est la laine multicolore, et comme il y a eu un changement de pelote, où ça, je sais même plus où j'ai fait un changement de pelote. Ah, ici, voilà, ici j'ai eu un changement de pelote, donc il y a eu un tout petit écart de couleur, mais ça se voit pas, voilà. Donc là, je suis dans le dos. Fifi, s'il te plaît. Merci. Là, c'est le dos. J'ai presque fini. Il me reste quoi, 4 cm à faire. Et puis le petit haut en côte. Et le dos sera terminé. Pardon. Donc ça, c'est un modèle gratuit qui est sur le site de Pingouin. Donc, je vous mettrai le lien pour récupérer la fiche de ce pull si ça vous intéresse. Je vous mettrai également le lien de la laine, voilà. Donc là bon, je pense que là on est quoi, on est mardi, d'ici ce week-end devant derrière sera terminé, et puis il me restera les deux manches à faire. Donc pour la semaine prochaine, normalement le pull sera terminé. Je vous le remontrerai une fois terminé, bien sûr, avec mon petit mannequin. je lui dirai qu'elle le met et puis que je fasse des photos. Non, c'est pas pour toi le pull, Fifi. Et je prendrai des photos avec elle, voilà, avec le pull. J'ai prévu également un gilet après pour elle. Mais dans la laine que je vous ai montrée dernièrement. Donc voilà, ça c'est l'encours du moment. Et celui, alors pour celles qui n'ont pas encore revu ou qui n'étaient pas sur Facebook et qui ne l'ont pas vu, je vous montre le pull que j'ai fait à Chouchou. Alors je vais vous mettre des photos, mais vous verrez pas son visage, il veut pas. Pardon, il veut pas voir qu'on montre son visage. Donc voilà son pull.
Voilà. Donc avec les manches, bien sûr. Donc c'est un pull tout simple aussi, hein. Voilà. Le dos. Je vais peut-être mettre un peu de lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Fifi, tu peux bouger? Tu peux bouger? Viens là, maman. Bon. Alors, j'essaie de vous montrer au mieux, hein. Fifi, s'il te plaît. Allez, mamie. Hop. Voilà, je me dépêche avant qu'elle remonte. Voilà. Voilà. Donc là, je lui ai fait un petit point au fil blanc pour qu'il trouve le derrière de son pull. Hop. On va éteindre. Donc voilà, mon pull terminé et mon encours du moment. Ensuite, alors moi j'avais commencé un pull pour moi avec de la laine verte de chez Bergère de France. Non, pas sur le pull à papa. Elle bouge. Bouge, bouge, bouge. Et ça y est, elle a accroché à moi. Avec de la laine verte de Bergère de France. C'était la parisienne. Mais Fifi, voilà. Allez, non, descends. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai trouvé le point. Ben, j'avais tricoté les trois quarts, hein, du devant. Et en fin de compte, ça m'a pas plu. Ça faisait, alors il y avait deux lignes de jersey, trois lignes de mousse, deux lignes de jersey, trois lignes de mousse, etc. Et ça m'a pas plu. Ça faisait, avec cette laine-là, et les aiguilles, il fallait les tricoter en aiguille 6, 6 et demi, je ne sais plus. Ça faisait beaucoup trop lâche. Voilà. Ça m'a pas plu. Voilà, donc j'ai arrêté, j'ai démonté, donc j'ai récupéré ma laine, bien sûr, j'ai refait des boules, et voilà, j'ai pas continué. De toute façon, si ça plaît pas, il vaut mieux pas continuer, parce que moi, ça va être de la laine perdue, le pull il va rester dans le fond du placard, et c'est pas la peine. Hein? Donc je vais voir ce que je ferai avec cette laine-là par la suite. Je trouverai bien quelque chose à faire. Donc je vais me faire un pull après pour moi. Je ne sais plus lequel je dois me faire. J'en ai plusieurs à me faire. Donc je verrai lequel je vais faire. C'est peut-être un fil d'art que je vais faire, celui en pointe. Je vais vous mettre les photos. Je vais peut-être faire celui-là parce qu'il y a encore celui en col roulé, celui avec les torsades. Voilà, vous voyez, celui-ci. Donc, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Mais, oh, ça y est, c'est encore accroché. Heureusement que c'est un vieux pull, là, parce que... Non, Fifi, tu vas abîmer le pull à papa. Il est fatigué. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez des questions sur mes deux ouvrages du moment... n'hésitez pas. Ah là, ça y est, elle est encore accrochée. Mais c'est pas possible. Mylène, elle est énervée là. Là, elle est énervée. Non, j'ai plus de main. Maman, elle a plus de main. Non, j'ai plus. Je cherche mes mains. Donc, si vous avez des questions sur le pull que j'ai fait pour Chouchou,
ou sur celui que je suis en train de faire, n'hésitez pas. Je vais vous mettre également le lien. Oh, Fifi, arrête maintenant. Vilaine. Une vilaine. Non. Je vais vous mettre également le lien pour retrouver la fiche de ce pull-là. Je crois qu'il est, elle est gratuite aussi. Je pense que je ne sais plus. Enfin, si vous voyez que je n'ai pas mis la fiche et qu'elle était payante, mais je vous mettrai le lien et dans ce cas-là, il vous faudra le télécharger en payant. Mais bon, vous verrez que là, normalement, le pull que, d'origine, c'est un pull rayé. Hein, et mes chouchous le voulaient uni. Donc, bon, bah, je l'ai fait uni. Donc voilà, et je vous mettrai le lien pour ce pull-là également. Je vais vous faire plein de gros bisous et nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.